Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Company of Heroes 2 Arden Assault. Et il est temps de faire une bataille finale, enfin. Il est temps plutôt de mettre fin à l'assaut des Ardennes. Avec Company Baker, nous allons reprendre la ville d'Uren. Et on a la spécialisation de territoire. La 5ème Panzer Armée occupe Uren depuis mi-décembre. Le village comporte deux ponts sur Gour, juste à la frontière allemande. Ces ponts donneraient à nos forces accès à une route vitale vers le territoire allemand. Collaborer avec la 112e pour lancer des attaques simultanées serait deux points avant de vous replier, vous relier à Uren. 20% de ces passages à proximité du territoire allemand, attendez-vous à une forte opposition dans le village et une riposte immédiate par les forces mobilisées de l'autre côté de la frontière. Donc, ils ont tout ce qui est possible et inimaginable. Et on va regarder le briefing. Uren est totalement verrouillé par les Boches. Ils tiennent solidement les ponts clés sur l'Our, pile poil sur la frontière allemande. 120 est chargé de sécuriser le pont nord. Votre objectif, c'est le pont sud. Vous vous retrouvez au milieu et vous prenez la ville. Dès que la mission s'arrête, attendez-vous à ce que les Allemands envoient des réserves. Vu que nous sommes proches de leur frontière, ils vont balancer n'importe quel crétin dans la bataille. Prenez ces ponts et maintenez-les. Intact. Ils ont dit 120 au lieu de la 120e, non? Bon, pas grave. Ah bon, et là ce qui est important, si jamais l'un des deux ponts est détruit, la mission est terminée. Je préfère le dire. Ça risque d'être tendu, parce que l'ennemi enverra des blindés lourds, mais si jamais vous perdez un pont, la bataille est perdue. Ça sera pas forcément facile, je préfère le dire tout de suite. Mais bon, on sait où vont spawner les ennemis. Si on fait masse Sherman, ça passe. Et si jamais vous avez en plus c'est le Easy Eight dans la compagnie, ou un Sherman un peu plus évolué, ben je vous dis c'est encore un plus grand massacre. C'est juste magique quand vous avez ces chars là. Quelques Jackson pourraient aider, mais bon, on les a pas, on va faire avec. Autour de la ville d'Uren, deux ponts couvrent la rivière Ou. Ces ponts ont joué un rôle décisif lors de l'offensive allemande. Bien que nos hommes aient vaillamment mené une défense acharnée, l'ennemi a réussi à capturer ces ponts, les utilisant alors pour déplacer rapidement les blindés et les hommes en territoire allié. À présent, les troupes américaines doivent à tout prix reprendre ces passages pour contenir le flux allemand dans les Ardennes. Easy, easy, easy. Lourd, avec le pont qu'on doit sécuriser, est juste devant nous. Pendant qu'on les prend, la 12e sera au nord et y prendra le contrôle des croisements. Je veux des rapports sur leur avancée. Fusil mitrailleur. La 112e est en approche finale. Nous sommes à 3 minutes. Amenez le fusil. Allez, déplacez le groupe de bataille. Allons-y. À l'arrière. Nous avançons Donc. Derrière les... Oh, c'est des bouchons à lier. Ok. Et on a déjà, je vous rappelle, on a déjà 50 de moins à chercher en essence, vu qu'on a déjà des... On peut activer, appeler le premier lieutenant gratuitement. Donc le major, c'est-à-dire 50 d'essence en moins, donc le major est arrive plus tôt. Donc c'est-à-dire on pourra avoir plus tôt nos blindés. Ce que je dis, ça paraît bizarre, mais tout est logique en fait. Ah, mon lieutenant est arrivé. Il est pas gradé, c'est pas grave. Surtout, ne construisez pas de dépôt ici, sinon vous bloquerez vos véhicules. Canon principal, feu! Il lâche des mortiers sur le pont. Ces bâtards essaient de nous descendre. Trouvez ce mortier et neutralisez-le. Bonjour, feu! Attendez, capturez cette position! Préparez-vous, on y va! On y va! Section, préparez-vous! Char paré!
Attention. Bon. Alors, ça veut paraître bizarre, mais je vais construire des pots pour un détour après. Me faut de l'XP, donc me faut le groupe de fusées hors map pour que ça passe tranquille, et pour l'instant je l'ai pas. Donc voilà, je suis obligé de le faire comme ça. Ça me rapportera normalement un quart de point. Préparez-vous. Ça craint trop ici. Reculez. Que je peux pas me permettre de bloquer mes blindés aussi en même temps. Section, attention. On y va. Par contre, le bon point, c'est que j'ai du fumigène et que ça m'aidera beaucoup pour la suite. Tenez-vous prêts. Parlez, en avant. Restez avec moi. Attendez, on a des ordres. Repoussez l'attaque. Faites en sorte que leur... La 112e maintient la rive opposée au pont nord. Nous faisons face à une forte résistance. On essaie de forcer le passage. Voilà. On a bientôt... Attention, en fait, il nous faut que véhicule. Des canons de soutien à l'infanterie ont été détectés dans les parages. Et à tous les coups, on me demande de préparer des renseignements. Parce que vu ma... Les fusiliers montés arrivent en nombre sur le champ de bataille. Actuel, okay, on bouge. Je vois pas ce qu'il pourra me mettre d'autre, en fait. Par contre, ça me... ce véhicule-là va me servir plus à rien. Et fumigène, par contre. Très important. Je peux encaisser un seul tir de canon t-shirt, donc si je peux, si je peux venir plus loin. Par contre, là, je vais replier pour le réparer. Sécuriser le pont sud. On consolide la rive maintenant. Je veux un périmètre défensif autour de ce foutu pont. On peut pas le laisser tomber. Le temps va me servir à rien. Faut rapidement. Bientôt mon premier char, donc c'est... Il se heurte à une forte résistance au nord. Envoyez-y une force de frappe et voyez ce que vous pouvez faire. Bougez-vous. Ah, ma force de frappe, t'inquiète pas, maintenant il y a... Normalement, en fait, si ça se passe bien, normalement j'aurais laissé 5 véhicules, mais je préfère être prudent. Si jamais je le perds, c'est une catastrophe pour la suite de la mission. What the... What the hell? Dégommé, c'est une diable, c'est pas grave. Des ordres arrivent. Avancez vers cette... Allez, allez, allez. Viens, les gars. On y va. Allez, allez. On s'en fiche des pertes, là. Section, faites pas capturer cette zone. Avancez en route. Clairement. Les pertes dans cette mission-là sont vraiment, comment dire... On s'en fout. Le renfort de char est arrivé. Sherman paré. Le bataillon signale un officier allemand de haut rang dans la zone. Trouvez-le et éliminez-le. Déplacez-le. Il n'y a vraiment pas passé. Ça va, j'ai pas perdu le véhicule, ça va. Objectif atteint. Ça m'aurait beaucoup plus dérangé de perdre le véhicule avec. Attention secteur tourant, des éléments de reconnaissance ont repéré une importante force allemande se préparant à aller vers votre zone d'opération. Attendez qu'on ait plus de nouvelles. Bien Baker, rassemblez tout ce que vous avez et préparez une défense, ça approche vite. Ah, c'est ça le canon t-shirt qu'ils ont. Les ordres, courez par là-bas. Parlez, il est la culasse. Feu dans le mille, ça les a calmés. Préparez-vous.
batterie de barrage synchronisée parée. Le Sherman prend des tirs. Bon, parfait. Par contre, je préfère que ça soit dégommé à un lieutenant que récupérer des renseignements. Envoyez la sauce. Courez, bordel. Ça a marché. On les a touchés. Capturez cette... En route. Sortez-nous de là, bordel. Bien, par contre, je vais faire des munitions. Allez, bougez vos culs, go. Parfait. Allez, on y va. Avancez, bon sang. Sécurisez cette putain de position. Allez, dirigez-vous par là. Préparez-vous. Je veux qu'on sécurise cette position. Défendez avec la mitrailleuse. Massacrez ces fantassins. Défendez, défoncez, capturez cette zone. Mon deuxième char arrive. Ce qui peut surprendre, par contre, c'est que je fais des dépôts de munitions. Mais c'est pour réparage, tout à fait logique. Si on y réfléchit un peu. Je vais me permettre de récupérer ça. Parce que ça peut vraiment être un grand secours pour la suite. Voilà. Parfait, j'ai déjà un Sherman level 1. Là, je vais utiliser mon barrage d'artillerie synchronisée. Ici. Les batteries reçoivent les coordonnées du barrage. Artillerie synchronisée, tire à la suite. Les blindés sont une force inestimable. En attente d'ordre de déploiement. Faites reluire vos jouets, les gars. Bon, on est naze. On est prêts à y aller. Bon, par contre là c'est... Ils perdent beaucoup de matériel pour pas grand chose les ennemis, c'est juste parfait. On se fait défoncer ici. Bougez-vous le cul, go. Infanterie moche. Mise à jour de la situation. La force allemande se déplace vers votre position. Je répète, la force allemande se déplace vers votre position. Elle sera là dans 5 minutes. Normalement si je me suis bien débrouillé, en fait avec l'artillerie synchronisée, j'ai dégommé le... Ils peuvent plus qu'avoir des Panzerfausts pour me déranger. Sortez-nous de là, bordel! Et à part les Fallschirmjäger, il n'y a pas d'autre unité qu'à des Panzerfausts. Vous voyez, j'ai beaucoup de chars qui arrivent assez vite quand même sur la zone. Section, attention! Position sécurisée! Défoncez ici! Courez! Remuez-vous! Germain, pilote, en avant, abattu, faites-vous attaquer. Sortez-nous de là, bordel! Parfois, il me dit que ça serait bien d'avoir de nouveau le crabe. Sur Sherman. Pour déminer. Pont nord sécurisé. Des éléments traversent en force. Tenez bon là-bas. On ne peut pas abandonner le contrôle du pont. On se met en route. Allez. Ok, je vous explique. On est bon. Ordre d'avertissement. Là maintenant. Emmenez-nous là-bas. Tenez-vous prêts, soldats. Arrêtez cette position de poche.
cloisonner et arroser la position. Canon de char à Kepler. Je pense que vous en êtes douté. Un nouveau char déjà. Bon les gars, préparez-vous. Confirmé. Vous avez 60 secondes. Je répète, vous avez 60 secondes avant que les éléments avancés entrent en contact. C'est en zone de frappe. Allez les gars, c'est parti. Viens ici les gars. Ah, il faut encore plus de chars. Eux ils peuvent dégager clairement. Message reçu. Ok, on bouge. Les rapports de contact abondent du point d'observation. L'ennemi est sur votre ligne de front. Fermez-la. Préparez-vous. Préparez-vous. Tenez bon et gardez votre cadence de tir élevée. Maintenez ces croisements verrouillés. S'ils peuvent pas les reprendre, ils essaieront de les faire exploser. Ok, on se bouge. On se fait flamber. Bravo, Tom. On avance. Ils arrivent sur notre flanc. En avant. Le renfort de char est arrivé. Sherman paré. Écoutez ce serpent. Ennemi neutralisé. Ils frappent nos flancs. Les poches pour venir le cul. Capture un bon point tactique. Je me suis vraiment concentré sur les véhicules. Bon, eux ils ont beaucoup morflé, mais c'est pas grave. Char est arrivé. Sherman paré. Gros
de bataille d'Ouran, attention! L'ennemi envoie des forces supplémentaires sur votre zone! On attend une seconde force allemande sur votre position! Attendez les mises à jour! Mise à jour! On estime le groupe de bataille allemand plus important que la première vague! Nombre à déterminer! Préparez les défenses selon les besoins! Terminé! Barrage de soutien! Tirez pour couvrir cette position! Aucune idée s'il va continuer par passer par Ribou en fait. On va faire réparer que non. Ça me permettrait de récupérer quelques bandits. Putain, mais réparer le char. Un char, je sais, j'en appelle beaucoup de chars. Mais... Allez, montez, pied au plancher. Montez, concentrez-vous. Allez, on y va. Je pense que j'ai raison de n'appeler autant. C'est la deuxième vague, après on aura encore une troisième. Les unités ennemies font demi-tour! Elles se replient! Ah bon? Pas de temps à perdre! Ouren est sécurisé! Belle performance, les gars! Bon bah on a de la chance, normalement il devrait avoir des blindés lourds. On a eu zéro. Coordonnez-les.
va pas s'en plaindre. Chance. Et voilà. En plus, compagnie, dernier niveau, j'ai perdu 10 points de force. Nous nous sommes emparés de tous les ponts d'Ouran. Nous sommes libres d'avancer en territoire allemand. Nous avons enfin mis un terme à leur progression. La compagnie Baker a fait le boulot avec un minimum de pertes. Les hommes ont très bien travaillé. Avec de telles victoires, le combat pourrait finir une fois pour toutes. Je sais aussi bien que quiconque que les guerres ne datent pas d'hier. Mais je n'avais pas compris leur réalité jusqu'à présent. Je veux juste faire mon possible pour qu'on n'ait plus jamais à replonger dans une guerre comme celle-ci. Et voilà. À tous les commandants actifs, force expansionnaire alliée. La zone à ouest du Rhin doit absolument être sécurisée pour parer à l'invasion totale de Hamann. Concentrez-vous sur l'éradication des forces ennemies de leur défense le long de la ligne Siegfried. Donc nous allons repousser les ennemis dans les Ardennes. Et là on va finir, par là. Donc, 85 points de force, 88. Voilà. Et une étoile. Donc on va refaire un petit bilan là, de nos troupes. Bon, on constate que Company Fox qui est certes fumé quand on voit ses rangers. J'ai pas utilisé tant que ça, hein. J'ai beaucoup plus utilisé la Company Baker et la Company Dog. Baker parce que c'est celle où vous avez plus de facilité à faire des blindés, notamment avec ce bonus là. Bon, on aurait pu l'améliorer avec des spécialisations de lieutenant qui, vous avez remarqué, nous a très bien servi, tenez qu'on a eu beaucoup plus tôt nos premiers chars, ce qui a été juste parfait. Les spécialisations de territoire, bon, ça ne servira à rien vu qu'on vient de débloquer. Vraiment, l'artillerie qui fait beaucoup de ravages, ça c'est non négligeable. Et les troupes mécanisées qui servent beaucoup. Par contre, le soutien blindé, vous constatez que j'utilise pas. Voilà, c'est. Autant au début j'utilisais beaucoup, tant maintenant je me suis rendu compte que par rapport à des Sherman standards, c'est moins efficace. Beaucoup moins polyvalent, donc c'est moins utile. La première compétence, j'utilise quasiment aussi jamais. Et la compagnie Dog, on constate que finalement, au début, je crois que c'était la compagnie la moins intéressante, mais au final, je me rends compte que c'est une compagnie plutôt puissante. Bon, il est vrai que leur soldat du génie, c'est pas vraiment les meilleures des unités. Ça, on peut pas dire au contraire. Par contre, le fait qu'ils disposent d'artillerie, mais vraiment ultra puissante. Vous voyez, incendiaire, plus des munitions qui permettent de supprimer les ennemis, ça rend une artillerie vraiment très polyvalente et très efficace, notamment contre l'infanterie. Ici, une infanterie anti-char, mais qui fait énormément de dégâts. Finalement, c'est une des compagnies les plus puissantes, la compagnie Dog avec la compagnie Baker, mais qui nécessite de beaucoup utiliser ses capacités. C'est son point faux, son défaut et son point fort. Par rapport à Company Fox, où c'est vous appelez des rangers, vous avez un souci, vous appelez de l'artillerie. Voilà, c'est ça. Clairement, c'est ça, Company Fox. La Company Able, c'est un peu comme la Company Fox, sauf que vous avez beaucoup de capacités aériennes. Donc vous avez compté aussi beaucoup sur capacités, un peu comme Dog. Mais vous aurez jamais mieux que des rangers en unité d'infanterie. Vous avez remarqué les dégâts que ça peut faire. Donc à vous de détester, j'ai voulu me concentrer un peu sur les autres compagnies cette fois-ci pour changer. Ouais, c'est avis personnel. Quoi qu'en soit, on se retrouve pour une prochaine fois, étant donné qu'on va pas faire tout de suite la dernière mission. Hein. Je vous remercie de regarder cette vidéo, je vous dis à une prochaine fois, d'ici là, portez-vous bien, et à ciao tout le monde.